Eh bien bonjour, c'est Koleka, on se retrouve une nouvelle fois sur notre série On crée un Death Run ensemble. Alors que je remette bien les fenêtres ici. Donc pour l'instant je ne l'ai pas nommé le Death Run, d'ailleurs n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Alors on va faire une session un peu plus courte que d'habitude. J'ai des petits soucis avec mon PC, il faut que je les règle avant que... Ouh. J'ai mon point de sauvegarde. Non, on va regarder tout ça. Oui, donc du coup, j'ai des petits soucis avec mon PC en ce moment. Donc, du coup, j'essaie de les résoudre avant de bien faire des vidéos. Alors, on avait tout ça, on avait tout ça, on avait tout ça, on avait tout ça. Alors, j'ai déjà eu pas mal de commentaires sur justement ce début de Death Run qui sont très pertinents. Donc, un grand merci à toutes les personnes qui le font. Alors, on va. Conseiller par exemple pour éviter d'avoir cette structure là de plutôt mettre des carrés piégés. Du coup il va falloir que je décale mes zones d'altération. Je vais en décaler une par exemple ici. Et je vais mettre un carré piégé pour pas qu'on voit. Et pareil pour éviter d'avoir le truc un peu moche là qu'il y a derrière. On va conseiller d'aller dans les préfabriqués galeries. Et je suppose que c'est. Là où il y a les trucs style Kevin ou juste la petite structure comme ça. Alors c'est Smog qui m'a dit un pied carré piégé pour que ce soit plus joli. Les plaques volantes tu peux remplacer par un bout de terrain rétréci. Est-ce qu'il m'a dit? On va essayer de se chercher ça. Est-ce qu'il y aurait pas. Est-ce que ça va être un peu trop grand ça je pense, non? On va le sortir, on va le mettre là. Est-ce que en vrai de vrai. Oui, non, ça va être trop grand ça. Il faut un petit bout de terrain. Alors, qu'est-ce qu'il appelle un petit bout de terrain? Je sais pas si les petits gravats ça fonctionnerait là-dessus. Je ne sais pas, moi j'aurais plutôt un truc qu'on pourrait construire dessus. Alors, où sont les... Sinon, je voyais un petit peu comment ça s'appelle, les espèces de petites falaises, là, les petits reliefs. Voilà, ceux-là. Est-ce que là-dedans, il n'y aurait pas un petit truc assez petit de base, genre ça, qu'on pourrait encore rétrécir et donc du coup s'en servir comme support. Tac. On va être ici. Est-ce que si et je le fous. Ouais, par contre, il faut que je fasse un effort aussi. Là, tac. Tac. Ok. Et donc du coup, ça fait pas un truc moche, ça fait un petit effet. Vas-y, je vais partir sur ça, hein, je vais modifier. Je vais pas faire trop les modifications maintenant, je les ferai en off. Mais du coup, je vais enlever ça. Après, bon, ma cabine téléphonique n'a pas fait l'unanimité. Bon, je m'en doutais un petit peu, elle était pas très très belle. Mais bon, on va faire avec pour l'instant jusqu'à ce que je trouve autre chose. Donc ça, un carré piégé ici, il faut que je mette. Qu'est-ce qu'on m'avait conseillé d'autre? Alors on m'a posé la question quel était mon clavier. Alors c'est un Riser, j'ai perdu le nom du clavier d'ailleurs. Et le nom de la musique de fond, c'est, il me semble, c'est une musique d'ambiance qu'il y avait. Alors je vous remettrai le nom si vous voulez juste en description. Mais il me semblait qu'on avait un troisième élément. Ah oui, comme pour le start, t'as mis un déclencheur pour te TP, tu peux aussi l'utiliser pour lancer un chronomètre, effectivement. Ça, c'est une très bonne question, enfin, remarque. Alors, je vais faire ça, je pointe ici. Et effectivement, ce truc-là, bon, je vais le changer. Mais dès qu'on va passer le déclencheur, donc dès qu'on va activer le canal 1, je vais lancer un petit chrono, quelque part, même plusieurs chronos. Mais ici, je vais juste me servir. On va regarder vite fait, est-ce qu'on pourrait se servir de ça? Le point de sauvegarde, en théorie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rien du tout. Ah si, sauvegarde et charge les données des joueurs afin qu'elles persistent sur plusieurs sessions.
là, en théorie, si j'ai bien compris, eh bien, on pourrait avoir. Alors, j'ai pas foutu un point de sauvegarde. Ah, ici. On pourrait mettre, par exemple, on s'en moque de là où il se trouve, puisque les joueurs ne le verront pas, mais. Sauvegarde automatique. Oui, on va pouvoir sauvegarder la position du joueur, même une fois qu'il quitte la session. C'est-à-dire qu'admettons, on a notre Death Run 50, 50 étapes. Il arrive à la fin des. Je crois, au bout de 2 heures, il en a marre. Il est rendu à la 40e étape. Il quitte, il revient, ben il repart à la 40e étape. Donc ça, il faudrait que je regarde un peu plus précisément. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, pas mal de canaux aussi. Sauvegarder le joueur. La sauvegarde des joueurs, en fait, je pense qu'on va pouvoir faire tout simplement dès qu'il va sur une dalle de pression, on va pouvoir activer d'une manière ou d'une autre pour sauvegarder. Ou tous les 10 étapes, s'il fallait les 10 premières, les 10 d'après, etc., etc. Ça évite de sauvegarder trop de fois et puis ça va peut-être les faire bugger. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je suppose que le truc à poisson. Alors, je vais voir si. Si comment ça marche. Activé pendant toute utilisation. Ok, définir le nombre de fois que la zone de pêche peut être utilisée avant de disparaître. Activer ici, reçu, désactiver à l'attrapage, transmettre sur. Du coup, peut-être qu'on pourrait se faire une petite épreuve un peu fun où il faut capturer un poisson pour pouvoir avancer. Alors, ça, ce serait. Plutôt justement sur un escape game, on verra. Si je vois que la série fonctionne bien, pourquoi pas faire un escape game dans le même principe. Alors forcément il faudra pas que je vous donne toutes les réponses des lignes parce que vous n'allez pas pouvoir le faire. Et enfin le dernier truc qu'on avait, c'est la planche de surf. Alors est-ce qu'il faut forcément de l'eau? À la page gauche. Oh, on pourra l'utiliser. Alors, est-ce que par contre, l'eau qu'on a en créatif va aller sur justement pour ça? Pareil, à tester, pas mal de choses à tester. Est-ce qu'on a eu d'autres choses? Bon, on a eu le bateau à moteur, on a eu ça, gestionnaire de course. Cet appareil gère les modes de course plus complexes et fonctionne en tandem avec le pack de points de passage de course. Donc avec cela, est-ce que on... Ah si dans une épreuve, on pourrait utiliser un véhicule par exemple pour une voiture et il faut qu'on passe un certain passage donc accidenté ou on peut générer. On a un petit passage où il faut être assez précis mais assez rapide pour pouvoir finir l'épreuve et donc du coup continuer ainsi. Donc ça peut être pas mal. Bon, on a pas mal de choses, pas mal d'idées. Ici, bon, il faudrait que je continue. Pour l'instant, bah, malheureusement, je vais pas pouvoir trop avancer ces temps-ci. Mais dès que je peux, je vais m'y mettre. On continue avec ces cabines téléphoniques là. Si vous voyez un objet qui peut être sympa, n'hésitez pas à me dire dans quelle galerie il se trouve et essayez de me le décrire rapidement. Comme ça, j'essaierai de voir à quoi il ressemble et puis j'essaie de le mettre pour voir si justement ça plaît à la majorité. Je vais du coup remplacer toutes les plaques comme ça un peu moches par le terrain, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. Et voilà, je vais enlever mon carré piégé, enfin je vais mettre un carré piégé ici pour cacher l'espèce de petit truc ici là. Pas très beau, toujours pareil. Hein. Et puis on sera pas mal. On sera pas mal avec tout ça. Il me reste à trouver du coup bah, des épreuves. Je vais essayer de faire des petites Death Run en ce moment. Donc si vous avez des codes de Death Run sympathiques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, pareil, comme ça j'essaierai de les faire. Et pourquoi pas bah, m'inspirer 2-3 idées sur quelques épreuves. Là pour l'instant on voit que un jump, alors après on est dans le niveau facile.
un jump ici, hein, je vous rappelle, je voudrais atterrir ici, et puis en bout de 2 secondes, il s'enlève, donc il va falloir sauter plus ou moins rapidement. Alors comme c'est le niveau facile, ce sera assez rapide, mais voilà, on aura un petit truc sympathique du style. Et après, ouais, j'ai envie d'essayer de mettre un véhicule dedans, donc on va essayer de faire ça tranquillement. Après, ça va être pas mal de jump, et je vais voir pour varier un petit peu les éléments. Donc voilà, on n'a pas trop avancé cette vidéo-là, mais au moins je vois à peu près les trucs que je veux faire plus tard. Je vais essayer d'avancer en off. On va décaler, on va essayer de faire ça tous les jeudis, parce que je viens de penser à ça, mais comme les mises à jour sortent en général le jeudi ou le mercredi, bah toujours est-il que je pourrais en même temps voir les nouveautés et justement voir s'il y a des trucs qu'on pourrait se servir. Logo accueil, ok, parce que j'ai pas vu les préfabriqués. Est-ce que ça va nous servir? Je ne pense pas. Ou alors ce pupitre là pour l'appeler à un ami. Pourquoi pas, hein. Mais bon, je vais voir tout ça. En tout cas, bah, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci à vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!